est resté dans une bibliothèque à Paris depuis un siècle et personne n'a jamais demandé. Donc, c'est vraiment qu'il sort des archives de Paris pour venir ici. Merci. Il revient à sa terre natale. La question que les gens me posent plus souvent, pourquoi nous avons oublié Gustave Trouvé, chevalier de la Légion d'honneur, pourquoi ne retrouvons pas ce Géo Trouve-tout dans les encyclopédies et les dictionnaires biographiques d'aujourd'hui? En effet, il était dans les dictionnaires sous les années 20, et puis, non. Pour être tout à fait franc, je me pose encore à ce jour cette question, même si j'ai mis quelques indications dans mon livre. Trouvé, il est un inventeur pur. Un peu comme l'immortel, parlant d'ici, Léonard de Vinci. Gustave Trouvé, l'homme aux 300 brevets, a fait dans le minuscule. Des dizaines d'inventions sont à inscrire à son répertoire. Songez que Gustave Trouvé s'est appliqué à améliorer le travail du médecin de campagne aussi bien que celui du plongeur sous-marin. Ses inventions concernent tout aussi bien la gynécologie que la spéléologie, l'orthorhinolaryngologie que le domaine des transmissions militaires, le décor de théâtre comme la navigation, le téléphone comme la pêche, la chirurgie comme l'aviation ou les transports de toutes sortes. La propulsion le passionne, la dentisterie le fascine. C'est bien simple, Trouvé s'est intéressé à tout et à toute son époque, cette seconde moitié du 19e siècle, époque du modernisme, du changement, de l'industrie qui se transforme et de la misère sociale aussi. Son domaine de prédilection reste toutefois l'électricité. Le tricycle électrique, le premier, c'est lui. La lampe frontale du mineur, du plongeur, du spéléologue ou du chirurgien, c'est lui. Le bateau électrique, n'est-ce pas? C'est lui? C'est lui. Confirmé. Pourtant,
Cet homme de génie, vous l'avez compris, qui eut droit à sa première biographie à 51 ans, celle de Georges Barral en 1891, était jusqu'en 2012 un inconnu du XXIe siècle. Son nom n'apparaît pas dans les dictionnaires usuels. Et s'il apparaît sur Wikipédia, c'est grâce à son deuxième biographe. Pourquoi cet oubli, alors que ses inventions auraient dû laisser une notoriété égale à celle d'un Leclanché, d'un Bell ou d'un Edison? Trouvé était, au fond, indifférent à la commercialisation de ses inventions. 120 ans, l'histoire avait oublié Gustave Trouvé. Cette injustice est désormais réparée. Dans quelques instants, grâce à vous, grâce à la persévérance de M. Desmond et aux efforts de M. Gabriel, Gustave Trouvé va être en quelque sorte réhabilité, et je vous en remercie. L'inventeur de quelques 75 appareils et instruments, en grande partie électriques, dont seulement trois des plus importants sont gravés ici. Le dilemme souvent posé est pourquoi ce génie, chevalier de la Légion d'honneur, est-il tombé complètement dans l'oubli? Nos recherches ne font que commencer. Et quand je dis « non », je continue à étendre mon défi à vous les Français. Car après tout, Trouvé est votre compatriote. Avec cette noble plaque, sa réhabilitation continue son parcours, mais c'est loin d'être terminé. Trouvé, 1839-1902, ingénieur, physicien, chimiste et industriel français, inventeur de l'endoscope et du premier tricycle électrique, a vécu dans cet immeuble. Fantastique, voilà. Bravo. Merci à vous. Beaucoup à nos jours.